Comment sont les gens à l'intérieur? Pour la plupart, les gens ont le profond sentiment d'être séparés. Séparés de tout ce qui existe. Et ils se trompent. Ils sont une partie d'absolument tout le monde. De toute chose. Une partie de toute chose? Je suis une partie de cet endroit? Et puis de Zach qui aboie derrière sa barrière? Attends, tu vas quand même pas me dire que je suis une partie d'un pêcheur en Italie qui navigue sur un océan dont je sais pas le nom. Il y a un condamné à mort qui attend son exécution. Je suis une partie de lui aussi? Tu ne me crois pas? C'est quand même difficile à croire, ces trucs-là. C'est parce que tu as une façon de voir les choses qui t'empêche d'aller bien au-delà. Mes grands-parents étaient pareils. Ils avaient ce même état d'esprit et se croyaient séparés de tout. C'est ce que les gens verraient s'ils avaient cette faculté? Qu'ils ont un lien avec tout ce qui existe? Et combien ils sont merveilleux aussi. Et qu'il n'y a pas besoin de se cacher ou de mentir. Et qu'il est possible d'être sincère, de parler à quelqu'un sans tricher, sans aucun sarcasme, sans tromperie ni exagération. Rien de ce qu'on utilise d'habitude pour embrouiller la vérité. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui fasse ça.